Sa thèse, l'union de la comptabilité et de la soutenabilité est-elle possible? Analyse multiniveau d'hybride comptabilité-soutenabilité. S'il vous plaît, on l'accueille, Eugénie Faure. Rivières polluées, droits humains bafoués et pourtant des milliards de dividendes versés chaque année. Ce soir, Révélation Business vous dévoile les secrets d'une comptabilité qui pousse à toujours plus d'exploitation pour plus de bénéfices. Pourquoi les productions locales font-elles faillite? Comment nos banques participent-elles à ces destructions? Quelles solutions préconisent les scientifiques? Le sombre rôle de la comptabilité, c'est ce soir, en inédit, dans Révélation Business. En attendant que mon sujet de thèse fasse l'objet d'une telle émission à grande audience, laissez-moi vous en dire plus. La comptabilité, c'est le sujet qui m'a permis de relier mes valeurs écologiques à mon expertise sur ces valeurs comptables qui animent toute entreprise. Comment ? En essayant justement de changer la comptabilité, car aujourd'hui, elle nous trompe sur la valeur que l'on porte aux choses. Prenons deux entreprises, A et B, qui commercialisent des vêtements en France. Entreprise A, fabrication au Bangladesh, matières premières venant d'Asie, coût de fabrication très faible, beaucoup de ventes et beaucoup de bénéfices. Entreprise B, fabrication en France, à partir de matières recyclées locales, coût de fabrication élevé, peu de ventes et peu de bénéfices. L'entreprise A aura pollué les terres et détruit la santé de milliers de personnes. L'entreprise B aura fait vivre économiquement son territoire, créé des emplois en France et limité la pollution de son industrie. Et pourtant, la valeur comptable nous dit que l'entreprise A vaut bien plus que l'entreprise B. Et qui dit valeur comptable plus élevée, dit revenus financiers sûrs et avenir certain. Car avec la comptabilité actuelle, les banques prudentes vont préférer prêter aux entreprises A, affichant une meilleure rentabilité financière. Les entreprises B, elles, risquent la faillite et la fermeture, faute de moyens pour pouvoir investir dans leur système de production. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me révolte. Et c'est là toute la raison d'être de ma recherche, où j'étudie les possibilités d'union entre la comptabilité et les enjeux environnementaux et sociaux. Avec mes collègues, nous avons testé avec des entreprises une nouvelle comptabilité qui puisse aider à respecter les limites de la planète et les êtres humains, en mesurant une rentabilité environnementale et sociale. Nous avons présenté nos travaux à des professionnels ainsi qu'à des législateurs comptables pour espérer inspirer un renouveau comptable adapté aux enjeux actuels. La comptabilité n'est pas neutre. Au contraire, elle joue un rôle très important dans notre capacité à résoudre les crises environnementales et sociales. C'est un sujet passionnant qui peut nous aider à nous détourner de la seule valeur financière pour renouer avec nos valeurs humaines profondes et qui fera peut-être, qui sait, un jour, l'objet d'une diffusion à grande audience. Eugénie Faure, bravo! Bravo!